Hello du 16 août de la maison, entre deux départs, arrivée, départ de vacances. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ce vlog. J'ai une double tite. Merci la clim et la mer et tout ça, mais c'était vachement bien. Mais du coup maintenant, faut se soigner un petit peu. Mais on va quand même repartir en vacances jeudi. Voilà, on est en vacances, hein, on fait rien. Mais c'est repos parce que un peu fatigue. J'ai déjà filmé l'introduction de ce vlog et la fin du vlog précédent. Mais j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de son, donc ça se trouve, il va falloir que je fasse une conclusion un petit peu différente. Mais bon, du coup, je vais voir. Je vais vous dire ce que je suis en train de faire. Je suis en train de finir le top baigneuse, donc on commence par ça. J'ai fait ce matin les deux. J'ai fini hier le corps en fait, en début de. En fait, à notre retour de. Je vais y arriver en voiture. J'ai pas mal tricoté et comme c'est du zéro cerveau en rond, il n'y a pas de souci. Je le tricote avec mon coloris embrun sur la base mérino soie. Donc, c'est le top baigneuse d'Atelier Émilie. Il est très beau, je l'ai essayé, j'aurais mis des photos sur le vlog précédent, je vous mettrai des petites photos, enfin je mettrai le lien vers le vlog précédent si vous voulez aller le voir. Donc là j'ai fait les deux emmanchures ce matin, ici. Alors concrètement par rapport à ce qu'elle dit sur le rabat pour les emmanchures, j'ai fait un rabat normal. Parce que dans les images où je laissais, j'avais peur que ce soit vraiment trop lâche, donc j'ai fait un rabat normal. Et je pense que c'est pas mal. Ça reste quand même. Je pense que c'est pas mal. S'il faut, je tirerai un petit peu dessus. Mais j'avais pas envie que ce soit trop en chou-fleur. Et là, je viens de remonter les mailles pour l'encolure. Donc en fait, je suis vraiment en train de terminer le top baigneuse. Je voudrais le terminer et le mettre à bloquer demain pour pouvoir l'emmener en fait. On est mardi. Demain, on reste encore à la maison. Jeudi, on part. Jusqu'à dimanche et avec un petit peu les doigts croisés, je pourrais le porter, bien qu'ils annoncent de la pluie. Là aujourd'hui, c'est orageux et il vient de pleuvoir, donc mais il fait chaud quand même. Voilà, j'espère que je vais pouvoir le porter quand même. Sinon, j'ai avancé mes chaussettes. Je les ai pas là, mais je vous les montrerai. J'ai mis quelques images dans le vlog précédent. Je sais pas si j'aurai du son, mais si j'en ai pas, j'ai fini la première et je suis en train de commencer la seconde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour commencer ce vlog. J'aime pas ça retourner des introductions, donc voilà, je suis désolée si c'est un petit peu brut de décoffrage pour commencer. Surtout qu'en plus je suis crevée, donc je vais me reposer. Ce que je disais, c'est que j'allais faire un vlog sur deux semaines pour vous le proposer fin du mois d'août, pour finir un peu ce mois d'août. J'hésite à faire les challenges de l'automne. Je sais pas, peut-être ça va me prendre de noter des thèmes, tout ça, de vous les proposer. Je sais pas encore. Je n'ai pas bien fait le suivi des challenges du printemps. Et genre pas mal de taf à l'automne. Je ne sais pas en fait si je vais le faire. Mais bon, sait-on jamais. Peut-être quelqu'un d'autre le fera à ma place. Je sais pas, je vous assure rien. Si ça me prend, je le ferai. Je sais qu'à l'automne, on aime bien tricoter, se faire des petits trucs de déco, de maison. Peut-être. Ça va peut-être me titiller, là. Surtout qu'en plus, il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui va pas tarder à arriver. Et j'avoue que j'attends avec impatience les thèmes pour pouvoir faire ma pile à lire. Donc, je me dis, finalement, ça peut être sympa aussi pour les projets. Les projets tricot, notamment. Donc, et couture aussi, ça peut être chouette. Bref. Peut-être. Je vous laisse là avec cette introduction complètement nébuleuse. Au moins, il y a du son. Vous m'entendez. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, rien ne marche. C'est pareil, tout à l'heure, j'imprimais des trucs, des documents pour à déposer au greffe du tribunal. Et franchement, il y avait quelques lettres qui s'imprimaient et d'autres non. Et donc, c'est pas possible. J'ai une poisse sans fin, c'est pareil. Je devais envoyer un colis Vinted et j'ai loupé l'envoi à 6 heures près, quoi. Vous voyez? Parce que en fait, mon relais colis, il était fermé. Et donc, au lieu de le poster le matin, je voulais le poster dans l'après-midi, c'était trop tard. Ah,
Heureusement, la personne a refait la commande, je me suis excusée et tout. Mais en fait, le délai sur Vinted pour l'envoi, à partir du moment où la commande est finalisée, c'est trop court en fait. Donc voilà, j'aurais dû plutôt réserver les trucs. Voilà, je sais pas trop. Bref. Mais sinon, j'ai fait pas mal de trucs, notamment aller chez le médecin. Mon fils et moi, on a une otite. Enfin, moi, j'ai une double otite en fait, dans les deux oreilles. Je suis la warrior de l'otite. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu d'otite d'ailleurs, c'est très douloureux. Bon, je vous laisse là. Je vais faire mon montage du vlog créa. J'espère que j'aurai quand même quelques sons sur ce vlog. On va croiser les doigts. En fait, j'ai un problème sur mon application. J'utilise, comment elle s'appelle, Filmic Pro. Et il y a une petite bande en bas qui indique le son. Et si je clique dessus par erreur, et voilà, ça peut en fait enlever le gain du son. Donc c'est-à-dire que je parle, mais en fait le son n'est pas enregistré. Et en fait c'est vraiment à disposition là de mon doigt. Donc si je, par mégarde, je n'appuie pas au bon endroit, bah, sans m'en rendre compte, ça baisse le son. Vachement pratique. Voilà. Bref, je vous laisse là. Je vous souhaite un bon visionnage. J'espère me reposer rapidement et vous proposer de belles images encore de vacances. Voilà. Ça risque d'être bien rempli ces deux semaines. Donc il va y avoir quand même des trucs. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Hello. Donc, juste un petit mot pour vous dire que, je sais pas si vous vous souvenez, dans mon dernier vlog, je vous ai dit, ils sont tout emmêlés, que je voulais tricoter et créer un design de pull avec mes laines en faisant du jacquard. C'était ça, les couleurs. Voilà, pour mon fils Lucien. Et en fait, il veut pas. Il veut pas, il a craqué sur un modèle, ce qui est très très rare chez lui parce que c'est pas trop son truc, les pulls, tout ça. Mais il a craqué sur un modèle et donc il veut pas que je design le truc. Alors que moi je l'aime bien ce modèle, mais moins que lui, je vais vous le montrer. C'est le pull jacquard Parc de Chambord, qui est une création de la Droguerie. Voilà. Je vais essayer de vous montrer plus près. Non, je vais vous mettre une petite photo. En fait, c'est un pull en jacquard, en yoke. J'espère qu'il se tricote du haut vers le bas. Bref. Et il est en trois tailles. Il est en 4, 6 ans, 8, 10 ans, 12, 14 ans. Déjà, ce qui, moi, me pose un peu problème parce que entre 8 et 10 ans, on ne fait pas du tout la même taille. Et donc, bref, Lucien porte du 8 ans. Parfois du 10, mais en haut plutôt du 8. Donc je vais faire la taille 8-10 ans. Et bah, je vais faire ce qu'il me demande. Hein, voilà, tout simplement. Donc je vais arrêter de vouloir forcément faire des designs quand lui, il n'en veut pas. Parce que de toute façon, si je ne fais pas ce qu'il veut, il ne le portera pas, vu comme il est têtu. Donc je vais faire ça. Donc là, l'idée, c'est que le coloris blanc, moi, va être mon coloris Winterland, qui est un blanc avec des speckles très très légers. Ensuite, je pense faire les motifs avec le coloris Pumpkin Spice. Et puis ensuite, en haut et en bas, en fait, le pull, je voudrais qu'il soit en coloris Deer Rogue. Donc tout ça, c'est ma base Merino Super Wash Fingering. Et puis ensuite, les petites variations, je vais les faire en gris. Donc ça, c'est le coloris, je sais plus si c'est le coloris Louis ou le coloris, non, je pense que c'est le coloris, attendez, je crois que c'est le coloris Louis, Pumpkin Spice, il est là, Shark, qui est plus clair que le coloris Louis. Le coloris Louis est un gris qui est entre les deux, entre ces deux gris-là. Donc ça, c'est le coloris Shark. La pelote est en deux parce que j'ai dû la couper. J'ai galéré avec le cake. Voilà. Et donc, je vais faire l'échantillon. Là, il préconise des aiguilles 4,5-4. Moi, j'ai du 3 mm. Peut-être que ça fait quand même...
Je vais quand même essayer parce que je me connais et je tricote très lâche. Donc peut-être que 3 c'est quand même trop petit. Peut-être que 3,5 ça serait mieux. Je vais aller voir si j'ai des aiguilles 3,5. En train de préparer mes affaires pour emmener en vacances pendant quelques jours, là jusqu'à la fin de la semaine. Déjà, j'ai fait mon échantillon qui n'est pas tout à fait sec, mais j'ai mesuré et du coup, j'avais pas le bon échantillon en 3, mais je vais le garder pour montrer le rendu de la laine pour ma boutique. Mais du coup, au lieu de faire en 3, j'ai décidé de faire en 4. Les côtes, je les ferai en 3,5. En fait, le truc, c'est que la laine qui est utilisée, c'est de l'alpaga de la droguerie, qui est une fibre très fine et qui est tricotée en double. Donc, c'est vraiment très particulier. Donc, moi, j'ai décidé de faire un peu au pif, comme d'habitude. J'ai choisi de faire en aiguille 4 en aiguille 4 pour le jacquard et en aiguille 3,5 pour les côtes. Donc j'ai déjà monté le début comme je vous l'ai montré en image. Je suis vraiment sur le début du jacquard. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté pour la taille 8-10 ans, donc je suis la taille 8-10 ans. J'ai monté les mailles en aiguille 4 et ensuite je suis passée en 3,5 et comme vous voyez, j'ai pas fermé mes côtes, j'ai tricoté mes côtes en aller-retour volontairement pour pas vriller comme je fais souvent. Et donc là, je suis en aiguille 4. Voilà, tout simplement. Et c'est cool de refaire du jacquard, je suis plutôt contente. Donc ça, je vais l'emmener, mais je vais d'abord le tricoter un petit peu, je pense. J'ai descendu mon color spell qui doit avoir les fils rentrés et les pompons. Donc je vais amener ma machine à pompons pour le faire là-bas. Parce qu'il prévoit de la pluie, donc on risque d'avoir du temps de repos, on va dire. Donc je ferai les pompons là-bas. J'ai aussi amené mon brioche à licheuse pour le filmer si je trouve le temps. Donc je reprends en fait mon grand sac Alice Hammer dans lequel je vais emmener des petites choses. Alors pour les pompons, je vais emmener, j'avais dit, peut-être un rouge et un vert, ou alors le rouge et le orange. Je trouvais ça fun, en fait je trouve ça pas mal, je crois que je vais prendre rouge et orange. Donc je trouve ma machine à pompons, je vais la chercher, c'est là-dedans. Donc je ne sais pas encore quelle taille je vais faire, donc j'emmène ça. Hop. Ensuite, donc le reste, je ne l'ai pas pesé pour le moment. Je vais aussi emmener, je vais mettre derrière, c'est un peu le bazar hein, sur mon atelier. Mon top baigneuse n'est pas encore tout à fait sec, mais il va falloir que je rentre les fils. J'attends qu'ils finissent de sécher. Voilà. Donc je vais l'emmener. Je rentrerai les fils sur place et j'essaierai de faire les photos. Ensuite, j'emmène aussi de quoi faire peut-être un design. J'ai mes chaussettes et voilà. Je pense qu'on est bien. Je vais emmener. Voilà, donc c'est ce que je vais emmener dans mes valises. Voilà, tout ce que je vais faire. Du coup, j'emmène pas le pingouin, je le tricoterai la semaine prochaine quand
quand mon fils Joseph sera pas là. Le jacquard, de toute façon, Lucien, il y prête pas trop attention. Et puis voilà, c'est tout. Tout ce que je voulais vous dire. Donc on se retrouve un peu plus tard peut-être. On part demain matin. Donc je vous emmènerai dans mes valises vidéo. Vous êtes vraiment trop nuls! Vous êtes trop nuls! Vous là! Vas-y, fais-le toi! Moi je réussis! Allez Simon, on va réussir! Vas-y, c'est le film. 2! 1! 1! Go! Ridicule! Je me venge hein, parce que. Attends! Allez! Heureusement que votre frère est fort! Allez, on doit chacun. Simon, j'attends! Essayez voir, Simon. Non, lui, il monte tout seul. Oui, mais regarde-moi ça. Ouais, en fait. Comme t'es beau. Belle. Thank you.
profite pour vous montrer ce que j'ai ramené de l'Hérault. J'agrandis ma collection de ce potier, donc qui est le potier de Saint-Jean-de-Fosse. Je ne connais pas son nom particulier, Pâte, je ne sais pas. Voilà, très beau. Et dans la même collection, celui-ci, le plat à tarte, que je trouve tellement beau. Et là, il y a des libellules. Il n'y en a qu'une. Ouais, il n'y en a qu'une sur celui-ci. Et hop. Pâte, je pense qu'elle s'appelle. Il s'appelle, je ne sais pas. Voilà. J'essaierai de vous trouver les liens pour que vous pour vous mettre ça dans la barre d'infos. Je ne suis pas sûre d'y arriver, mais si je trouve, je vous mettrai les liens. Promis. Donc, quand on est allé ce week-end en Normandie, on est allé chez un ami peintre à nous qui s'appelle Antoine Witt, qui est extrêmement doué et très très gentil. Un petit coucou à eux s'ils passent là, Marie et Antoine. Merci encore pour votre gentillesse renouvelée. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. En fait, ils se connaissent parce que mon homme fait les reproductions de ses toiles dans son studio photo. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a connu Antoine. Et vraiment, c'est trop beau. Et moi, coup de cœur pour les coquelicots. J'aime énormément. Donc là, je vous montre en fait un calendrier, un catalogue d'exposition. Il m'en a donné quelques-uns. Et il m'a donné également quelques cartes postales qui sont ici. Que je vais pouvoir joindre à vos envois. Parce que j'adore en fait les coquelicots d'Antoine. Et donc là, j'ai tout un lot de cartes que je vais pouvoir joindre en fait à mes envois et vous faire, comme ça, par la même occasion, vous faire découvrir le travail d'Antoine. Ça me fait vraiment plaisir. Une sorte de petit partenariat, entre guillemets. Et j'en ai d'autres. Donc, j'en mettrai d'autres. Je peux vous montrer un petit peu. Hop, là, il y a des pigments. Des poiriers, si je ne dis pas de bêtises. J'en ai quelques-uns. Non, c'est peut-être pas des poiriers. Des pommiers. Et là, c'est des poiriers. J'aime beaucoup. Je suis peut-être pas... Hop, pour que vous voyez. Vous voyez pas forcément, mais si on s'approche, vous verrez qu'il y a vraiment du détail. C'est très, très beau. Et il y a aussi des paysages d'hiver que j'aime beaucoup. Ceux-là, je vais les garder pour moi. Je les trouve vraiment trop, trop beau. Hop. Voilà, j'aime beaucoup ce que fait Antoine, donc j'étais contente qu'il me donne ça et que je puisse vous en envoyer quelques-uns. Il y a aussi des petits marque-pages qui sont vraiment très très beaux, que je rajouterai aussi en goodies à mes envois. Ils sont très fins, ils sont très jolis, moi j'en utilise quelques-uns. Et puis là, il y a tout un lot de cartes, mais voilà, je ne vous les dévoile pas forcément, ça restera à découvrir. Voilà, et là ce sont des petits cadres, je vous en montre un, et en fait c'est des cadeaux qu'il nous a fait, un garçon et à nous. Donc Antoine en fait fait ses encadrements, et donc vous avez dû les apercevoir parfois, je les mets dans mes bibliothèques comme ça parce qu'en fait ils sont épais et donc ils tiennent tout seuls et c'est trop joli. J'aime beaucoup beaucoup son travail. Voilà, donc on a tout ça, donc ça fait plein de jolies choses avec plein d'enveloppes et tout, donc trop cool, très contente. Merci Antoine si tu passes par là.
Hello du lundi 22, c'est la rentrée pour moi et ça va, je suis pas mécontente de rentrer, de reprendre mon rythme, j'ai envie de faire plein de trucs, c'est trop cool. Mais je suis venue vous parler de... Je suis désolée, il y a du bruit dehors, j'espère que ce sera pas trop embêtant, mais j'ai toujours des travaux à côté de chez moi. Et quand ils travaillent tout le temps, c'est très difficile de trouver un moment où il n'y a pas ce bruit de fond. Donc je vais faire une petite séquence et... Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Déjà, j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes hier. Ça va être parfait pour du zéro cerveau. C'est celle-ci que je tricote pour mon fils Joseph. J'ai monté 12 mailles en Turkish Cast-on, là, le montage invisible. Et j'ai augmenté jusqu'à avoir 56 mailles. Mon fils Joseph, il fait... on va dire il fait un 37-38, je dirais 37-38. Il a le pied un peu plus fin que moi, donc 56 mailles, ça me semble bien. Je tricote dans la merveilleuse laine du bruit des aiguilles, dont je ne connais pas le nom, c'est un cadeau de Sandrine. Et j'ai juste halluciné quand j'ai fait la répétition, la première répétition de couleur, de voir que en couleur, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six couleurs en fait, se répètent. Donc, quel travail! Je trouve ça vraiment très très beau et j'adore les laines d'Anna, donc elle est extrêmement douce. Sa base c'est, si je ne dis pas de bêtises, il y a un peu moins de nylon, ouais, il y a 15% de nylon seulement comparativement à la mienne, où je crois que c'est 25, si je ne dis pas de bêtises, bref, il y a moins de nylon. J'ai porté ces laines, alors pas énormément, donc je ne pourrais pas encore vous faire un retour, mais ce que j'en ai entendu, c'est que elle est douce et en plus elle tient bien, donc c'est cool. Voilà, donc là j'ai fait ça. Je vous ai pas dit, je les ai pas ici, mais j'ai fini les autres chaussettes de pour ma nièce et en fait je vous ai mis des petits rushs, donc je vous les montrerai pas plus que ça à ce moment-là. Je vous les remontrerai en fin d'année quand je vous montrerai un petit peu ce que j'ai tricoté pour les cadeaux. Je ferai un petit focus pour les cadeaux de Noël, puisque c'est un cadeau de Noël. Et cette année, il va y avoir de la chaussette, c'est clair. Ensuite, là-dedans, j'ai mon design en course, un petit accessoire dont je parle sur Patreon, mais pas ici, donc je ne vais pas vous en dire plus que ça. J'ai un petit peu avancé sur mon pull chambord de la droguerie. J'ai dû démonter un petit peu parce que je ne retrouvais pas le bon nombre de mailles sur un rang. En fait, je pense que mon dessin là des serres et des arbres va être un petit peu décalé, mais en fait je pense pas que ce soit très très problématique. Alors j'ai pas pris une couleur hyper contrastante pour ici, mais c'est volontaire. Je pense que ça va être sympa si justement c'est pas hyper flash. Je pense qu'il aura plus de facilité à le mettre, et en fait j'aime bien des fois les jacquards qui sont pas violents. En fait ce que je voulais, c'est vraiment que la couleur orange ressorte sur ce pull, donc après c'est des nuances de gris. Et donc je suis contente. Je suis très contente de voir avancer aussi mes différents coloris, puisque là c'est que des coloris de ma boutique. Et là le coloris Winterland, qui est cette base en fait naturelle avec vraiment des très légers speckles de orange, de gris, c'est super, ça va vachement bien avec le projet. Donc je suis vraiment très très contente. Elle est assez sympa à tricoter. Le seul truc, c'est que pour avoir l'échantillon à peu près bon, je trouve que c'est un peu déjaugé. Mais bon, c'est pas très grave. Enfin, ça va à peu près. Voilà, je suis passée, j'avais fait mon échantillon, souvenez-vous, en 3. Et là, je suis en aiguille 4, si je dis pas de bêtises. Ouais, 4. Alors qu'elle préconise du 4,5, mais c'est pas du tout la même base qu'elle préconise. Donc moi, je suis en 4 et je pense que ça va être pas mal. Voilà. J'espère qu'il va pas être trop petit, mais en même temps, bon, je suis pas sûre. Voilà, donc pour le moment, ça ressemble pas à un pull, mais c'en est un. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? En fait, j'ai que des choses pour mes enfants en cours. Ce que j'ai pris, finalement,
Ce que je vous montre, c'est ceux que j'ai avancés. Après, j'ai aussi ma couverture et le pingono qu'il faudrait que je reprenne. Et je vais essayer de les reprendre cette semaine un peu. Petite nouveauté, j'ai créé un nouveau hashtag qui s'appelle « En cours du lundi » sur Instagram. Et je vais essayer de faire des reels tous les lundis pour vous montrer l'avancée de mes projets. Et je trouve ça sympa. Parce que du coup, c'est vrai que c'est bien aussi de mettre des reels et, sur Instagram pour la visibilité. Mais c'est aussi parce que c'est fun à faire. Donc voilà, je ne m'impose rien, je prends plaisir. Et j'espère que, enfin, si vous voulez utiliser le hashtag, je vous le mettrai là. N'hésitez pas à nous montrer l'avancée de vos projets tous les lundis. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve très très vite et j'espère sans bruit de fond. Hello, hello, du mercredi de ma voiture, mercredi 24, je dirais, août. Je suis en route pour Boulogne, Boulogne-Billancourt. Je vais aller à l'atelier de la création chercher des petites breloques pour ma boutique parce que je sais qu'ils ont un large choix et que je ne sais pas trop ce que je cherche, donc j'ai besoin d'avoir un choix pour essayer d'aboutir à ma réflexion. Et j'ai besoin d'acheter de la chaîne aussi et je vais regarder s'ils ont des cotons aux couleurs automnales, tout ça pour le shop. Je viens de déposer, je suis un petit peu rouge parce qu'il fait très chaud en fait, il fait 29 degrés dehors quand même, ça y est, ça remonte la température. Je viens de déposer toutes mes couettes à la laverie et j'ai, on va dire, une demi-heure pour faire mes petites emplettes à Boulogne et revenir et mettre à sécher tout ça. Je vais vous emmener à l'atelier de la création avec moi. Je croise les doigts pour que ce soit ouvert. C'est écrit sur le site que c'est ouvert. Je croise les doigts pour que la boutique existe encore. Ça fait super longtemps que je ne suis pas allée, mais je pense que oui. Voilà. Et puis, je vais vous montrer un petit peu toutes les beautés là-bas. Et puis aussi, tout à l'heure en rentrant, donc aujourd'hui je travaille pour mon shop, mais je travaille pas pour mon client habituel. Ce qui fait que je vais quand même me laisser un peu de temps de tricot. Ce matin, j'ai avancé mon pull en jacquard parce que j'ai pour objectif cette semaine, si je le peux, de finir le yoke avec le jacquard justement. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis tout à l'heure. Ok, donc de retour à la maison, les 4 couettes sont propres, une n'est pas très sèche, les 3 autres sont sèches. Maintenant j'ai du travail de rangement de la maison, mais les enfants reviennent demain, donc ça va, j'ai un petit peu de temps, je vais le faire. Mais on est en rangement de toute façon, là, genre, je sais pas vous, mais quand la rentrée sonne, on fait du tri et on range, on se sépare de trucs, tout ça, c'est un peu moteur, c'est ce que j'aime bien dans la rentrée. Voilà, on repart avec de nouvelles bases. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me suis arrêtée chez Gap, en fait, parce que dans la vitrine, j'ai vu une robe qui me plaisait et qui, à mon avis, va être parfaite pour l'automne. Pour maintenant, l'automne, avec un petit gilet et tout. Et je me suis pris aussi un débardeur. Je vais
vous montrer ça peut-être si j'ai le courage après ou dans un autre vlog ou un autre moment. Je vais vous montrer ce que... Je me suis fait une très belle assiette et je vais vous la montrer. C'est rare que je fasse ça. Mais là, je suis fière de moi, alors je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est une burrata. Je sais pas si je la mangerai en entier, mais en fait j'avais mangé ça dans un restaurant, je sais plus quand. Je crois que c'était, alors c'était avec des gnocchis. C'était très très bon. Et là j'ai mis de la salade, des tomates, des concombres, du jambon de pays, tout ça, et basilic, ciboulette et de la vinaigrette. Donc, bon appétit à moi-même. Bon, finalement j'ai repris ma couverture. Et donc là, c'est l'angle. Et maintenant, j'ai entamé les diminutions. Et depuis le début de la semaine, j'ai fait cette couleur-là. C'est un peu long à faire, mais en fait, c'est parfait quand je lis parce que c'est zéro cerveau. Même si j'ai deux fils ensemble, ça passe sans problème. Et donc, je vous montre l'avancée. C'est un peu la galère de vous montrer parce que je viens de faire un rang d'augmentation. Alors, attendez, je vais retourner la caméra. Je vais essayer de vous le montrer dans l'autre sens. Donc ça, c'est le haut du col. Et donc là, on est sur le motif qui est effectivement assez léger. Donc là, en fait, on a le cerf, enfin les rennes. Je sais pas si c'est des, je pense que c'est des rennes, puisque c'est un pull de Noël. Mais en fait, tant qu'il n'est pas fini, on va pas comprendre. Surtout qu'en plus, j'ai utilisé donc mon coloris Shark, qui est un gris, mais moyen. En tout cas, sur le Superwash, c'est un gris moyen. Et donc là, on a les cerfs et là, on a les... Petit dessin d'arbre. Je vais vous montrer si j'arrive à mettre la couverture. Donc j'en suis à la moitié en fait. J'en suis à la moitié. Donc voilà ce que j'ai pris chez Gap. En fait, j'en ai vraiment pas eu cher parce qu'il y avait encore 50%. Donc en fait, ça c'est un top comme le top baigneuse d'Atelier Émilie, sauf qu'il est noir, côtelé. Voilà, donc je l'ai essayé. Il est très bien, ça va être super pour mettre tout le temps en fait. C'est vraiment un basique. Et donc là, c'est la robe qui est en fait assez large. Elle est vendue avec... une sous-robe parce que en fait elle est un peu transparente, je pense, et encore, donc je sais pas si je mettrais la sous-robe. En fait je me suis dit qu'elle irait avec beaucoup de mes gilets, elle irait même avec un t-shirt. J'ai un t-shirt blanc, un t-shirt noir à manches longues un peu en résille, ça peut être sympa pour l'automne. Elle va aller avec plein de trucs en fait, noir et blanc. Je l'ai essayé, elle me va bien et j'étais étonnée parce que j'ai pris la taille M, donc tant mieux, moi je dis. En même temps, c'est des robes assez larges. Elle est toute simple, hein, mais elle se déboutonne sur toute la longueur. Voilà le petit achat du jour. Genre, elle était à 50 euros. Je l'ai vraiment eu pas cher, à moins 50%. Voilà. Hello, du jeudi. J'espère que vous allez bien. Je porte ma robe, je vais vous montrer. Je vais essayer de me reculer par là. Vous voyez, j'ai pas mis le dessous de robe, donc je trouve que ça reste quand même ça va quoi. Et j'aime bien, il fait très chaud aujourd'hui, donc c'est cool. En fait, ce que j'aime bien, c'est le col Mao là, je trouve ça trop mignon. Et l'imprimé qui va avec tout. Alors, je pense le mettre avec du rouge à lèvres rouge, mais c'est juste que là. Non, je ne l'ai pas fait. Je le ferai peut-être tout à l'heure parce que j'ai une vidéo pour ma chaîne lecture à tourner. Donc je mettrai du rouge à lèvres peut-être pour
égayer un petit peu ce noir et blanc de rentrée. Alors, je viens vous voir pour montrer ma robe, certes, mais aussi parce que je viens de recevoir une commande que j'ai passée sur la boutique en ligne Maxi Coffee. Et je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, en fait, c'est une boutique en ligne qui vend du café, du thé, de la tisane et tout ce qui est un peu autour de cette ambiance-là. Et je sais que certains d'entre vous aiment bien que je partage ça. Donc, ça vous fera peut-être découvrir. Voilà. J'ai découvert cette boutique parce que je cherchais ceci. Non, ce n'est pas une bouteille d'alcool. C'est du sirop de Monin. Donc, c'est un produit fait en France et qui est du chai tea, saveur thé chai. En fait, je l'ai pris parce que je veux pouvoir me faire des chai latte, des pumpkin chai latte, tout ce qui, voilà, comme ça, pour l'automne. J'ai envie de tester parce que j'ai jamais testé et que, voilà. C'est un peu dommage de mourir bête. Et donc, voilà. Donc, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. En tout cas, celui-ci est de bonne qualité. C'est produit en France, c'est ce que je vous ai dit. Dedans, il y a quand même un colorant, c'est le E150A. Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse avec l'application Yuka, voir si c'est pas trop dégueulasse. Mais j'imagine que de toute façon, on en met juste un petit peu. Voilà, la bouteille n'est pas particulièrement belle, mais je pense que ça va être bon. Vous me direz si vous connaissez et si, surtout si vous avez des recettes ou des choses comme ça à me conseiller pour l'automne, parce que je suis déjà dans le mood d'automne, vous allez le voir dans cette fin, dernière semaine d'août, entre guillemets, les 10 derniers jours d'août septembre avec la rentrée qui s'annonce, tout ça, je suis dans un mood d'automne. Ensuite, j'ai pris plusieurs... Alors, j'ai pris en thé. Non. Si. Je crois que j'ai pas pris de thé. J'ai pris que de la tisane. J'ai pris de la marque. Ça, c'est la marque Beautiful Me, qui est une marque bio. Donc, j'ai pris. Non, c'est de la marque English Tea Shop. Hein, vous l'avez vu en même temps que je le disais une bêtise. Et donc, c'est le parfum. Beautiful Me, qui est un mélange de camomille, gotu cola vivifiant, hibiscus et cannelle de Ceylan. Je l'ai pris parce que je me suis dit qu'il y avait de la cannelle. Alors, sur ce site, vous avez juste une petite aparté, du thé et des infusions en vrac, mais aussi en sachet. J'ai pris volontairement des deux parce que des fois, j'ai le temps de me faire des infusions. En fait, le soir, souvent, je me fais une verveine parce que j'adore la verveine. Donc, c'est de la verveine qu'on me donne. Tant que j'en ai, je fais la verveine naturelle. Je sais que pendant la journée, quand je bosse, j'ai pas le temps de faire ça. Donc, je prends des sachets aussi. Et j'ai pris une infusion Fruit and Spice douceur d'oranger de chez Destination Premium, qui est aussi... issu de l'agriculture biologique, c'est rooibos orange. J'aime bien le rooibos, pas tout le temps, mais rooibos orange, je pense qu'on est bien pour l'automne. J'ai pris chez également English Tea Shop le parfum Super Goodness curcuma, gingembre et citronnelle, parce que le gingembre c'est bon surtout, voilà, c'est un peu énergétique, donc le curcuma aussi, c'est très bon pour la santé. Et puis j'ai pris chez Pukka parce que c'est mon chouchou. En fait, Pukka, c'est une des marques que je préfère. Même si, alors elle est vendue dans les boutiques bio. Ouais, si, il y a le logo de l'agriculture biologique. Et là, on est sur du citron et du thé vert. Donc ouais, c'est quand même du thé, mais du thé vert. Ce qui fait que je peux le boire à tout moment de la journée. Et celle-ci, je l'ai testée il n'y a pas très longtemps et j'aime beaucoup. D'ailleurs, juste après, je vais aller m'en faire. Et en vrac, j'ai pris... chez Daman Frères, deux parfums très cocooning. Happy Dreams de Vanille Clémentine. Voilà, donc il y a toutes les informations. Ils disent que c'est du thé, mais je pense pas. Si, thé vanille, je pense, c'est Clémentine. Et puis, mon petit praliné, qui est un mélange de chocolat et noisette. Ça, c'est quand l'après-midi il pleut. voilà. Et puis alors, il fournit gratuitement un petit catalogue que je n'ai pas encore eu le temps de feuilleter. Un petit catalogue Coffee Spirit édité par Maxi Coffee.
Et je pense que voilà, il doit avoir des petites recettes. Ouais, c'est plutôt sympa et c'est une bonne qualité de portrait de producteur. Je sais pas, je trouve que la démarche est plutôt sympa. C'est la première fois que je commande chez eux, donc vous avez peut-être un retour, vous, à me faire de cette marque, de ce site, si vous connaissez. Et bah, j'aurai hâte de vous lire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vais redescendre tout ça, je vais me faire mon petit thé et je retourne travailler. Je vous ai pas fait de point ce week-end. Faut dire que j'ai passé mon week-end à ranger. Je vais aller vous montrer ça tout à l'heure dès que j'ai une petite pause. J'ai rangé ma cave et mon stock de tissus, de fil. Je suis en plein, on va dire, en pleine mise à jour de stock. Et d'ailleurs, sur la boutique, il va y avoir là cette semaine des promos de rentrée qui vont arriver et également des nouveaux coloris. Donc il faut que je m'occupe de ça. J'ai aussi repris les commandes, traité pas mal de commandes, fait du tri dans les affaires des garçons parce que la rentrée c'est fin de semaine aussi. J'ai préparé mes projets de septembre, mais ça, il y aura une petite vidéo dédiée, donc je ne vous ai pas encore montré. Et sinon j'ai avancé mes projets. Donc faut que je vous montre. J'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer parce que j'ai une réunion en début de matinée. Mais on va aller rapidement. De toute façon, je vais clore ici ce vlog. Donc. Enfin non, je vais pas clore ici. Je vais vous montrer après mon rangement, puis je vais clore. Donc, j'ai avancé le pluche en bord. J'ai fait ce que j'avais prévu de faire concrètement sur mes projets. Donc, c'est pas mal. J'ai fini le jacquard. Et j'ai séparé le corps. C'est un peu la galère. Le corps du yoke, je vais y arriver, et les manches aussi. Donc je vous montre à l'envers parce que sinon c'est un peu la cata. Je vais le repasser sur un autre câble et je vais changer d'aiguille parce que j'ai été un petit peu embêtée de lire les suites des explications que je vous explique. En fait, il est expliqué que c'est fait avec des fils de la droguerie, bien sûr, c'est un modèle de la droguerie. Et donc, le truc, c'est que c'est pas forcément évident de twister pour faire le pull normal. Donc, moi, j'ai... Il y a écrit que le motif, il est fait avec un fil et que ensuite, quand on est sur le corps et sur les parties, en fait, tout en jersey, c'est deux fils. Voilà. Donc, moi, je me suis retrouvée un peu en galère. J'ai même pas du tout, du coup, si j'ai fait le bon échantillon, j'ai un gros doute, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, en termes de largeur, ça me semble pas mal pour Lucien. Peut-être un peu grand, quand même. Mais bon, écoutez, il pourra le porter plus tard. Pas très très grave. Je trouvais que l'encolure était lâche. Mais bon. J'ai peur qu'il soit grand, sinon ce sera pour Jojo. Hein, mais bon. Sinon, je mettrai un élastique peut-être sur l'encolure. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, eux, ils changent de fil, puisqu'ils passent en fil double, et il est demandé de faire plein de diminutions, en fait. Chose que moi, je vais... Alors, j'en ai fait quelques-unes. J'en ai fait 8 à la place de... je sais plus combien il en est demandé, mais je vous assure que c'est beaucoup. Genre 28, un truc comme ça. Non, 68 diminutions. Et forcément, en même temps, on passe en fil double. Donc, bon... C'est un peu bizarre quand même. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que moi j'ai fait 8 diminutions parce que je me suis calée par rapport à au dessin de la d'en bas, il y a un petit peu de jacquard. Et j'en ai enlevé 8 puisque un motif, ça fait 8 mailles. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même baisser de taille d'aiguille. Je pense que je vais passer en 3,5. Et je vais
peut-être, je sais pas si je vais continuer, je vais pas faire d'autres diminutions, je pense. J'hésite à le passer sur un câble et à le bloquer. Mais j'ai peur que ce soit très, très grand, en fait. Mais il vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit, on va dire. Donc, franchement, peut-être que ça va aller. Pour Lucien, c'est du... en fait, je lui fais du quasiment 10 ans, c'est 8-10 ans, la taille que je fais. Donc, je pense que ça peut le faire. Même si c'est un peu grand cette année, au moins, il l'aura sur plusieurs années. Voilà. J'ai un peu avancé ma couverture, mais là, si vous voulez voir, je vous invite à aller voir, parce que chaque lundi, je fais un reel sur Instagram, sur mon compte Atelier EV3, dans lequel je montre l'avancée de mes whips, ceux que j'ai avancés la semaine d'avant. Et ça, je trouve ça sympa, c'est motivant. Et là, je ne vous montrerai pas la couverture, en fait, parce que je ne l'ai pas à côté de moi. En revanche, je vous montre mes chaussettes. Donc, j'ai fini hier. La première. Voilà. Et je viens de monter la seconde. Tout riquiqui. Et j'ai déjà commencé à mettre la couleur. Voilà, voilà. Bon, je vous montre mon rangement tout à l'heure. Et donc, ce plan un peu bizarre, c'est parce que j'ai cassé mon bras pour tenir mon téléphone avec lequel je filme. Donc, je suis désolée. Mais j'en ai recommandé un autre, donc ça devrait pas tarder à arriver. Et voilà, donc en attendant il y a un petit plan pourri. Donc on se retrouve dans ma cave pour que je puisse vous montrer ce que j'ai fait ce week-end, parce que notre cave, elle est grande, mais elle accueille le linge. Je vous montre quand même parce qu'il faut savoir un petit peu. Il y a aussi, est-ce que vous voyez, non, il y a aussi voilà des trucs qui tombent. Et là, il y a une batterie. Faut le savoir quand même. Il y a une batterie sur laquelle mon fils aîné et mon homme s'entraînent. Et donc, il y a des trucs mobiles parce que comme ça, on peut faire de la musique en bas. Et si je me tourne, là, désolée pour vous donner envie de vomir. Voilà, donc ça, c'est là où je bosse pour ma boutique. C'est pas facile de montrer. Là. Ça, c'est là où je mets en fait en colis. Là, il y a du matériel pour la teinture ici. Pour mettre en. Il y a des tissus, il y a plein de trucs. Là, il y a mon stock de laine. Et là où j'ai bossé ce week-end, c'est ça, la partie tissu là. J'ai tout mis sur des cartons. Et en fait, il y en a énormément. Il y en a même derrière. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a deux rangées de tissus. J'ai voulu faire ça pour pouvoir en fait me rendre compte un petit peu de tout ce que j'avais. J'ai vraiment des jolis tissus que je voudrais utiliser autant pour la boutique que pour nous. Par exemple, des jerseys, enfin là c'est des tissus sweat, des tissus que j'ai achetés il y a un moment que j'ai jamais cousu. J'ai très envie de les mettre à l'honneur et donc de pouvoir les voir. Et là, pour les stocker, c'est toujours un peu la galère. Là, il y en a aussi, c'est des morceaux plus petits. Et là, il y a de la laine, ça c'est les nouveautés, je ne les montre pas, qu'il va falloir que je rentre dans le shop. Voilà, et sinon, ici, c'est ma laine déjà teinte, qui est triée par couleur, par tonalité, on va dire. Par exemple, le vert. J'ai pas mal de rose et de rouge. Là, il y a du violet. Et j'ai encore ça que je dois ranger. Pour le moment, je ne sais pas où le mettre. C'est tout mon matériel pour faire les anneaux marqueurs, les bijoux. Faut que je réfléchisse. Voilà, donc un peu, j'ai quand même pas mal bossé. Là, vous apercevez quelque chose qui va vous intéresser puisque c'est les promos de la rentrée qui vont pas tarder à arriver normalement cette semaine. Et puis là, il y a mon stock de laine à teindre. Ici, là. C'est mon stock de laine à teindre. Voilà, les présentations sont faites de ma cave. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et voilà, donc je pense que je vais vous dire un petit au revoir, mais à la lumière du soleil. Alors voilà, donc cette vidéo se termine là. J'ai aucune idée de si elle sera longue ou non. J'ai pas l'impression de vous avoir montré grand-chose sur ces dernières deux semaines, mais c'est comme ça.
Et pourtant, bah, j'ai quand même pas mal avancé mes projets, je trouve. J'ai des milliards d'idées dans ma tête, autant pour le shop que pour cette fin d'année. Donc voilà. Je voulais juste vous dire effectivement qu'il n'y aura pas les challenges de l'automne parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire et que ça risque de me stresser plus qu'autre chose. N'hésitez pas à en organiser, j'y participerai avec plaisir, mais je ne peux pas l'organiser cette année. Et mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous partager mes envies, mes projets. Je vais d'ailleurs de ce pas, il est 14h, ouais, peut-être pas, mais je vais me faire une pause à un moment cet après-midi pour vous tourner mes projets, mes envies pour le mois de septembre. Et voilà, vous montrer un petit peu ce que je compte tricoter, crocheter et peut-être coudre, histoire de me motiver. Donc je vous donne rendez-vous très très vite sur une prochaine vidéo sur la chaîne. Et bah, d'ici là, prenez soin de vous et puis bon loisir créatif. Allez, des bisous, bye bye.